Shalom, chers frères et sœurs, je viens aujourd'hui pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi durant la retraite de compassion. Ça fait maintenant 4 mois pratiquement, je souffre d'une torticolis. Je peux le dire comme ça parce que, en général, une torticolis, ça ne dure pas aussi longtemps, mais qui m'a beaucoup, 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 beaucoup fatiguée. Et ça m'a empêché de faire beaucoup de choses dans le quotidien. Je prenais des anti-inflammatoires, mais le problème n'était pas résolu. J'ai pris des séances de kiné, mais le problème n'était pas résolu. Donc, vraiment, je loue le Seigneur. Et je pense que c'est le samedi, quand on a commencé le moment d'adoration avant l'intervention du Père Rémel, que j'ai senti que le Seigneur, l'Esprit Saint m'a touché. Voilà, j'ai senti vraiment quelque chose comme s'il me frôlait au niveau de l'omoplate, au niveau de l'épaule, une fraîcheur dont je n'arrive pas à expliquer à ce moment-là. Et rapidement, j'ai senti un soulagement. J'ai senti un soulagement et les jours qui ont suivi, même le réveil du dimanche, j'ai senti une très grosse amélioration. Et j'ai dû même en parler avec les personnes avec qui je partageais la chambre. Et vraiment, c'était... Voilà, c'est... J'étais contente. Et je loue le Seigneur de m'avoir touchée. Et aujourd'hui, il m'a donné l'opportunité de pouvoir vous dire que durant cette retraite, il m'a touchée et il m'a guérie. C'est que depuis des années, je suis très éprouvée. Mais le fait de m'avoir touché durant ce week-end de compassion, et je sais que ce qu'il a commencé à faire pour moi, il va le terminer. Donc je loue son nom et je bénis son nom. Je voulais remercier toutes ces personnes qui ont pu intervenir, qui ont organisé ce week-end, que le bon Dieu les protège. Que le bon Dieu les garde, que le bon Dieu leur donne la capacité de pouvoir continuer leur œuvre. Voilà, je voulais aussi, c'est ma première retraite, mais c'est une retraite dont je me rappelle que les personnes avec qui j'ai partagé cette retraite, il y a eu beaucoup, beaucoup d'empathie, en tout cas entre nous. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Je sais que c'est ma première retraite et ce ne sera pas ma dernière retraite.